Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Lorsque l'on choisit une ville où installer sa famille, on cherche bien plus qu'une maison ou un appartement, on est en quête d'un nouvel art de vivre. Partout dans le monde, de nouveaux modèles de communautés se développent avec un objectif bien précis, favoriser le lien social et le bon vivre des habitants, le tout dans le respect de la nature environnante. Nous sommes allés à quelques kilomètres de Vancouver, au Canada, à la rencontre de ces familles qui ont choisi de vivre cette aventure à 100%. Des bâtiments écologiques et accessibles entourés de rivières et de forêts. Des écoles exemplaires, tant par leur construction que leur programme scolaire. Voici la promesse d'Univers City, créer une ville en pleine nature. Nous sommes au sommet de ce qu'on appelle un bassin versant. Nous devions donc veiller à ce que nos développements, quels qu'ils soient, ne nuisent pas aux saumons sauvages qui vivent dans les cours d'eau en aval. Nous voulions aussi construire de sorte que les habitants aient envie de faire partie de ce type de communauté. Alors, pour voir si cette communauté durable était viable, nous avons bien sûr débattu de l'environnement, mais nous nous sommes aussi fortement concentrés sur la durabilité économique et sociale du projet. Il y a 15 ans, University n'était encore qu'un campus universitaire isolé, à 30 minutes du centre de Vancouver. Pour redonner vie au lieu et créer des logements pour les étudiants, un projet d'agrandissement a vu le jour, puis pris de l'ampleur. L'idée est novatrice, créer un nouveau modèle de communauté sans impact négatif sur l'environnement. Mais comment imagine-t-on une ville écologique? Comment construire en pleine nature en limitant son empreinte environnementale? Comment mettre au cœur du projet de construction le confort de vie des habitants et leurs besoins? Au début, il n'y avait pas de route pour accéder au sommet du mont Burnaby, à part la rocade tout autour. Les fondations d'University étaient déjà là. La contrainte majeure fut le paysage naturel. Les parcelles de terrain étaient constructibles, mais nous ne voulions pas seulement y bâtir de nouveaux logements. Il fallait aussi développer des infrastructures entre les parcelles et à l'intérieur. Une grande partie du travail a consisté à planter des bandes de verdure entre les immeubles, en particulier le long des artères principales qui desservent le centre de la communauté. Nous avons raisonné à la fois en termes de durabilité environnementale et sociale. Nous tenions à ce que les habitants puissent se rendre à pied chez leurs voisins. À la différence de la plupart des communautés, il est plus facile de circuler à pied qu'en voiture. Nous avons donc beaucoup travaillé sur la viabilité et la durabilité sociale du projet. À l'encontre du mode de vie traditionnel nord-américain, où la voiture est le principal mode de déplacement et où la pollution est importante tant dans les zones rurales qu'urbaines, la ville a décidé de construire différemment. En effet, on retrouve de nombreux espaces où les zones piétonnes et les transports en commun ont été privilégiés.
À peine arrivée à University, j'ai réalisé en découvrant le quartier que tout se fait à pied de manière très agréable. Je n'ai même plus besoin de prendre ma voiture. Quelle que soit la météo, 10 minutes de marche me suffisent à rejoindre mon bureau. Venant d'une très grande ville, je souhaitais avoir à portée de main toutes les commodités urbaines. Ici, je n'ai qu'à traverser la rue pour entrer dans une épicerie où je trouve tout ce qu'il me faut. Le quartier compte aussi un restaurant où nous allons dîner quand je n'ai pas envie de prendre la voiture pour descendre du mont Burnaby. La plénitude que je ressens ici vient de la disponibilité et de la proximité des équipements urbains dans un cadre de vie magnifique et préservé. J'adore cet appartement. Il est extrêmement spacieux et lumineux. Si vous saviez le bonheur que c'est de pouvoir se réveiller tous les matins avec la mer et les montagnes à perte de vue. Nous dominons un panorama de toute beauté. C'est extraordinaire. Chaque jour, le ciel prend des couleurs différentes et le paysage change avec lui. Parfois, la ville d'en bas est noyée dans la brume. On voit des immeubles dépasser des nuages. D'autres fois, c'est nous qui sommes dans le coton. Je trouve ça mystique, beau et magique. Jason Wegman a travaillé sur toute la première phase du chantier et s'occupe encore du développement d'University. Il a fait le choix, il y a 8 ans, de s'installer dans la communauté avec sa femme et ses 2 filles. Un mode de vie qui lui correspond parfaitement. Vivre ici est un vrai bonheur. Nous n'arrêtons pas de le dire à notre famille. Le sentiment d'appartenance à une communauté s'est fortement développé dans le quartier, au point d'y être devenu essentiel. Nos voisins sont des amis. Quand les enfants rentrent de l'école, ils prennent un goûter et redescendent jouer dehors jusqu'à tard. Cela ressemble aux communautés traditionnelles. Ici, il n'y a rien à craindre de l'extérieur. Les gens ne se regardent pas en chien de faïence comme s'ils étaient étrangers les uns les autres. La rue est ouverte aux enfants et l'on ne voit pas fleurir ces pancartes d'interdiction qu'on trouve ailleurs au Canada. Les enfants installent leur terrain de jeu au milieu de la route et quand une voiture approche, ils l'enlèvent pour la laisser passer. Ces habitudes sont devenues une vraie tradition. Et vivre dans la communauté où je travaille est pour moi très épanouissant, à plusieurs titres. J'en ressens tous les bienfaits. Cette ville est devenue un lieu de vie extraordinaire. Depuis que nous sommes arrivés en 2006, nous avons eu le temps de voir notre communauté s'agrandir et s'enraciner dans de vraies valeurs. Aujourd'hui, je mesure tous les succès qui ont marqué sa construction et son développement. Cela me permet de mieux orienter nos progrès à mesure que le projet avance. On ne s'est pas contenté de construire des immeubles. Nous avons donné naissance à une vraie communauté. Et la caractéristique principale, le socle de cette communauté, c'est l'école. L'école est le point de convergence des familles, le lieu où les gens font connaissance. C'est vraiment le berceau de la communauté. L'école primaire a entièrement été réhabilitée de manière écologique. Grande baie vitrée, sensibilisation au recyclage, utilisation de matériaux non nocifs. Elle fait partie des rares écoles à avoir obtenu la certification LEED, une référence en matière de construction durable. Mais la ville a décidé d'aller plus loin. Il y a 3 ans est née l'école maternelle la plus écologique au monde, en plein cœur de la communauté. Dahl Mikkelsen a accompagné chaque étape de cette construction ambitieuse.
Nous voici dans le hall d'entrée du jardin d'enfants. On remarque tout de suite quelques-uns des équipements durables dont il a été doté, notamment le sol, entièrement fabriqué à partir de pneus recyclés. Sous ce revêtement circulent des canalisations d'eau. La chaleur radiante qu'elle dégage provient des installations énergétiques du quartier et des panneaux solaires thermiques installés sur le toit. D'autre part, tous les meubles de rangement de la cuisine et des salles ont été fabriqués dans la région ou sur place à partir d'un bois labellisé FSC. Ce sont des arbres issus de la gestion responsable des ressources forestières. Nous sommes dans la cuisine du jardin d'enfants. Tous les jours, un chef cuisinier nous livre les repas. Il nous suffit de les réchauffer et de les servir aux enfants. Il y a du poisson. Tu en veux, Andrew ? Voici l'un des deux sanitaires des enfants. Vous remarquez tout de suite qu'ils ont été conçus à leur taille. Nos petits ont tous entre 3 et 5 ans. Les robinets sont évidemment automatisés pour rester ouverts le moins longtemps possible et éviter de gâcher l'eau. Dans un monde parfait, de l'eau de pluie coulerait de ces robinets. Mais là, c'est de l'eau potable. En revanche, les chasses d'eau utilisent de l'eau pluviale récupérée par un collecteur. Par ailleurs, les enfants ne prennent pas de papier pour s'essuyer les mains, mais du linge et des serviettes à main. Le but est d'éviter autant que possible le gaspillage. Ils sont très sensibles à la nature car ils passent beaucoup de temps dehors. Les matériaux naturels leur sont familiers. Ils savent ce qu'est le bois mouillé, l'humus chargé de vers, les limaces, ainsi que les araignées, les toiles d'araignées. Toutes ces choses qu'ils ont découvertes font partie de leur monde. Car la crèche est aussi un laboratoire pour étudier un nouveau modèle pédagogique où le développement durable est directement intégré au programme de l'école. Sous forme de jeux, de discussions et d'activités, les enfants sont sensibilisés à l'environnement dès le plus jeune âge. Vous vous souvenez qu'on a parlé de l'ours polaire? Certains ont dit que si on l'emprisonnait, il n'aurait plus assez à manger ni à boire, et qu'il n'aurait plus rien pour jouer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous observons la vie à l'intérieur de notre lombricomposteur. Toutes les semaines, nous jardinons ou alors nous élevons des vers. Aujourd'hui, nous fouillons leur lit. Nous les sortons de leur lit pour les observer. Nos jeunes élèves explorent leur univers et nous leur posons des questions pour éveiller leur curiosité. Le but est qu'ils en apprennent davantage sur ces petits invertébrés. Et si j'y pense, je ramène du compost de chez moi pour les nourrir. Tu veux regarder cela? Ils se tortillent. Celui-là bouge beaucoup. Tu en veux un plus calme? Je vous en montre d'autres? Sienna, tu as eu le temps de voir celui-ci? Il y a plein de bébés dedans.
Oui, les plus gros sont là. En fait, nous sommes en train d'explorer le cycle de vie des vers. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'observer de minuscules larves et aussi les œufs ou les cocons d'où elles éclosent. Nous étudions leur cycle de vie microscopique ainsi qu'un autre beaucoup plus grand, celui des déchets qui vont alimenter un autre organisme vivant, lequel se transforme en compost dont on nourrit les plantes. Des plantes qui finissent par nous alimenter, en espérant que les enfants assimilent tout ce cycle. Tu y arrives ? Au début, les gens craignaient que les enfants n'apprennent rien, car cette méthode est un peu différente d'une pédagogie classique où l'on enseigne aux enfants les lettres de l'alphabet, à compter, etc. Mais nos enseignants se sont investis dans ce que nous appelons une pédagogie narrative. Ils écrivent des récits et prennent des photos des enfants pendant leurs activités. Ensuite, ils les envoient au programme pédagogique pour l'apprentissage des jeunes enfants de Colombie-Britannique. Les enseignants ont beaucoup travaillé pour faire comprendre aux parents l'utilité de cette approche. Résultat, 3 ans plus tard, je ne rencontre plus d'appréhension de la part des familles. Elles ont compris. Le processus de ventilation du bâtiment est intéressant. Son système mécanique est très simple. Les volets que vous voyez là-haut sont les seules bouches d'évacuation de cette pièce, à part évidemment les portes qu'on ouvre et qu'on ferme. Quand cette classe est chauffée, l'excédent d'air chaud monte et il est évacué par tirage thermique à travers les volets. Ce processus permet de se chauffer avec très peu d'énergie mécanique. Là encore, nous nous sommes efforcés de construire un bâtiment qui soit à la pointe de la technologie, tout en restant très simple de conception. Le toit du bâtiment intègre des aménagements durables, comme ces panneaux solaires thermiques, qui utilisent ce qu'on appelle des tubes sous vide. Leur rôle consiste à chauffer l'eau courante du bâtiment. Nous avons choisi de ne pas utiliser de panneaux photovoltaïques. Vancouver est en effet marqué par un nombre élevé de jours sans soleil, où il fait sombre et pluvieux, notamment en hiver. Or, le rendement des panneaux photovoltaïques dépend énormément de la quantité de lumière qu'ils captent, au point qu'ils sont peu performants quand il ne fait pas beau. Je suis convaincue que ce jardin d'enfants et ses méthodes innovantes vont inspirer d'autres lieux d'éveil. Des groupes d'enseignants nous rendent visite de tout le Canada. D'autres sont venus d'Italie pour observer notre façon de travailler. Alors oui, pour moi, c'est un endroit que je qualifierais de merveilleux. Les enfants y reçoivent la meilleure éducation qui puisse exister. L'école suscite l'attention de nombreux organismes dans le monde entier. Elle impressionne tant par son fonctionnement que par ses performances énergétiques. En effet, le lieu produit aujourd'hui davantage d'énergie et recycle plus d'eau qu'il n'en utilise pour les enfants et le personnel de la crèche. Il vient d'obtenir le précieux titre de Living Building Challenge. Il s'agit de la plus haute certification de construction écologique basée sur 7 catégories. Le site, les matériaux utilisés, la gestion de l'eau, la qualité de l'air, mais également l'équité, la santé et le design. Un défi écologique qui n'a pourtant pas fait dépasser le budget. Comparé à un chantier classique de même taille, le coût des travaux est inférieur de 18%. Pour mettre au point ce projet de jardin d'enfants, nous nous sommes concertés avec la direction du projet. Ils savaient que la surface des locaux serait d'environ 600 mètres carrés. Nous avons calculé un budget de construction par rapport à cette surface et pour un bâtiment conventionnel. Le projet se chiffrait à 2 200 000 euros. Alors nous avons ajouté que nous avions entendu parler du Living Building Challenge. Nous leur avons demandé, pouvons-nous viser cette certification afin d'établir un nouveau modèle dans la communauté? Et ils ont répondu, absolument, du moment que le budget n'augmente pas. Alors nous avons cherché à simplifier le choix des matériaux et la forme du bâtiment. Pour cela, nous nous sommes mis en quête de solutions créatives, avec l'aide de fabricants de la région. Nous avons aussi construit un ensemble d'immeubles en copropriété qui s'appelle le Verdant.
Il permet aux gens d'accéder à la propriété grâce à des logements qui ont été mis en vente 20% en dessous du prix du marché. Lorsqu'ils revendent leurs biens, les propriétaires s'engagent à le faire 20% moins cher que le prix de l'immobilier. Si le marché monte, tant mieux pour eux, puisqu'ils profitent de sa hausse. Comme ils ont acheté 20% moins cher, ils revendront 20% moins cher. Leur bénéfice reste toujours proportionnel aux fluctuations de l'immobilier. Lindsay et Michael ont été les premiers à emménager au Verdan, l'un des immeubles écologiques de la communauté. Ils cherchaient leur premier appartement près de Vancouver, mais souhaitaient être proches de la nature. Nous préférons vivre au sommet du mont Burnaby, car l'air y est beaucoup plus sain que celui qu'on respire en bas, dans le centre-ville. Je vais régulièrement me baigner à la piscine de l'université et j'ai accès à la salle de gym. C'est là que nous faisons du sport. Nous avons aussi la chance d'avoir de superbes sentiers de randonnée où nous allons souvent courir et marcher. L'un des grands atouts de cet ensemble est sa communauté. Ici, tout le monde a des enfants et le courant passe bien. Nous avons tissé des liens sociaux et nous nous sommes fait plein d'amis. Tout cela enrichit notre qualité de vie. Cela fait partie des choses que nous préférons ici. L'eau courante qui alimente ces bâtiments est préchauffée par des panneaux solaires thermiques installés sur la façade de l'autre immeuble. Sous nos pieds se trouve un champ géothermique. Là encore, le bâtiment puise son énergie du sous-sol. Cette énergie sert à chauffer le bâtiment. L'autre caractéristique de cet ensemble sont les matériaux qui ont été employés. La charpente étant en bois, les promoteurs ont fait en sorte d'utiliser des bois de recyclage et de récupération. Le constructeur s'est assuré que les sols et la peinture murale n'émettent pas de résidus toxiques. Il a veillé à placer des panneaux solaires sur un côté du bâtiment. Voilà pour les principales caractéristiques. Tu as autre chose à dire? La chasse d'eau à double poussoir. Ah oui, c'est vrai. Ils ont aussi installé des appareils respectueux de l'environnement. Cela permet d'économiser à la fois sur les consommations d'eau et d'énergie. C'est ce que j'appelle une construction écologique réussie. Le jour où nous avons emménagé, en ouvrant la porte, nous n'avons pas remarqué d'odeur caractéristique des nouveaux appartements. Ça n'empestait pas la moquette neuve, par exemple. Ça ne sentait rien, et ça nous a rassurés. Nous arrivions dans un environnement sain. Oui, vivre dans un immeuble sans produits chimiques était une chose essentielle pour nous. Les gens passent beaucoup de temps chez eux, ne serait-ce que pour y dormir. S'ils sont constamment exposés aux toxines comme c'est le cas ailleurs, ils en pâtissent forcément. Enfile-le tout seul. Tu as du travail, maman ? Oui, j'ai beaucoup de travail. Nous voulions absolument réduire notre exposition aux produits chimiques. Cela faisait partie de nos priorités. Une chose nous ferait très plaisir. Nous voudrions que les gens qui observent notre travail aient envie de le copier. J'aimerais qu'on reprenne notre modèle, qu'on le reproduise à plus grande échelle.
Nous avons prouvé qu'il fonctionne pour une communauté de 9 à 10 000 personnes. Peut-on envisager de l'appliquer à 20 000 personnes? Oui, pourquoi pas? La communauté va grandir et les prochains immeubles déjà en construction seront encore plus performants. L'objectif est ambitieux, économiser 30 % d'énergie et utiliser 40 % d'eau en moins que ce qu'exigent les normes classiques canadiennes. C'est très enthousiasmant de faire partie d'un tel projet, d'être le premier dans ce pays à diriger la construction de ce type de communauté. Quel bonheur de pouvoir interagir avec les habitants du quartier, avec les gens qui y travaillent, de faire partie d'une famille universitaire, créative, résolument tournée vers l'enseignement et la recherche, et de pouvoir établir un nouveau modèle de développement durable qui soit à la fois habitable, abordable et pérenne. Sincèrement, j'exerce le plus beau métier de ce pays. University propose une nouvelle manière de voir la ville au plus grand bonheur de ses habitants. La population devrait doubler d'ici l'année prochaine. Ce projet qui inspire et interpelle aux quatre coins du monde laisse à penser que ce n'est que le début de ces communautés durables et accessibles à tous.